Addis Ababa, je vais voir l'assistante sociale. Mais quelqu'un, je suis sauvé. Alors, monsieur Edouard, comment va la petite famille? Ben écoutez, pour le mieux, très bien. À vrai dire, maintenant que le petit va avoir 8 ans, on se dit que c'est peut-être le moment de faire des projets. Avec Katou, on a toujours rêvé de faire construire une maison à nous pour voir grandir les gosses. Du coup, j'ai pris un crédit sur 40 ans. On va faire construire un petit pavillon avec un bout de jardin, planter un potager, peut-être même un ou deux cerisiers, tiens. Ah oui! Ah, ça te ferait plaisir, ça, hein, sacré yeur, toujours prêt à grimper dans les arbres, hein, ouais, petit singe, hein. Je t'aime, papa. Allez, viens là, tiens. C'est sûr qu'il a laissé un gros vide dans la famille. Et puis avec l'accident du petit, ça n'a pas été facile ces derniers temps. Mais bon, ça y est, le pire est derrière nous. On se laisse pas abattre. Et puis l'aîné s'est trouvé une femme. Et je ne devrais peut-être pas en parler, mais... Elle est enceinte! Maman! Oh, ça va! Maman va être grand-mère! Maman va être grand-mère! Qu'est-ce qu'on rit? Sir Gregor, Dunsen, Bolivère, Le Limier, Sir Amaury, Sir Eileen, Sir Mérine, Geoffrey, Cersei, La Montagne... Seigneur Marie-Joseph, il y a vraiment des gens qui ont pas de chance. Oh là 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 là, moi, Seigneur. Geoffrey, Cersei, La Montagne... On voit bien sur la radio un œdème au niveau du papillon chatouilleur. Papillon gonflé, os de vœux affecté, nez rouge, des idées. Une thrombose maxillaire. Trop jeune. Une lupus. Trop vieux. Une grippe afghane. House, il convulse. On a une hémorragie au niveau de la tranche de brioche. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, on a fouillé chez lui et on a trouvé des chips de légumes, du pain à la farine de colza et un abonnement aux Inrocks. Ce qui veut dire qu'il est... Végétarien. Homosexuel. Un gros hipster de merde. Intolérant au gluten, bande d'incapables. Donnez-lui 5 cc de cortisone et faites-lui une ablation de la côte de rire. Vite. Ah, mince. À moi, à moi. Oh, ben non, zut, il est mort. Oh. Michael, 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 réveille-toi, on a un client. Hubert. Caroline, Michael. Caroline, Caro. Oui. Propose à boire, Michael. Bon, écoute-moi, j'ai du gin, j'ai du whisky. Oh, Michael. Ils sont juste rien. Ah, alerte. J'ai du Malibu. Alors, un Egg McMuffin. Michael, tu as mangé déjà. Une petite frite. Kit, c'est quelque chose. Caroline, en fait, c'est gollerie parce que Kit, c'est une voiture. Oh non, encore des travaux. Mais c'est un abribus, Michael. Tu sais quoi? On va sauter par-dessus. Quoi? Mais non. Si. Sur ma bouche, Caroline. Allez, ouh. Michael, Michael, assieds-toi. Michael, remets ta ceinture. Oui. Michael, Michael, tes pieds sur la banquette. Ta gueule, Kit. Tout le monde sur la mer. Je t'entends pas, Bruxelles. Bonne soirée, Caroline. Désolé, pardon. Putain, Michael, j'en peux plus. Moi, je me casse. D'accord, moi, tu te casses, et puis moi, je reste là, parce que je suis bien. T'es mignonne, Caroline, dis donc. Jimmy Lannister revient avec son tube de l'hiver. Mets ton zizi dans ta soeur et pousse l'enfant par la fenêtre. Y'a pas que chez les Targaryens, qu'en famille, on se fait du bien. Mets ton zizi dans ta soeur et surtout, ne perds pas la tête. Y'a pas de mal à se faire du bien, je te mince de coquin. Jimmy Lannister, mets ton zizi dans ta sœur, issu de l'album Une main aux fesses dans un gant de velours. L'hiver sera chaud. Regardez ça les mecs, pour Noël, j'ai eu un Simon. Wow, trop cool. Et ben moi, j'ai eu une console de jeu. C'est pour moi, je vous écrase tous avec mon overboard. C'est trop bien de vivre dans les années 80. Et toi Willy, qu'est-ce que t'as eu? J'ai eu le sida. Donc là, t'as la meuf Khaleesi, elle se pointe avec ses dragons, ok? Et là, Tommy, tu fais quoi? Plantez vos dragons! Non, putain, tu me passes mon javelot de glace, je one-shot un des dragons, je lui fais ma magie, et bim, on a un dragon. Ah ouais! Des questions, Général Billy? Je tenais à dire que le coup des dragons, je le sens pas trop, chef. Je suis désolé, mais Billy, je le Billy, sens Billy, pas. Billy, oula, qu'est-ce qui se passe? Mais ils ont des dragons, ils vont nous cramer le cul! Dragon ou pas dragon, moi je... Tommy, ta gueule. On le laisse parler. Moi, je suis là depuis la première marche blanche. Ça, c'est vrai. Quand on a commencé à transformer des bébés en glaçons, j'ai pas posé de questions. Ah, non. Pourquoi vous voulez aller derrière le mur? On va derrière le mur. C'est tout, c'est comme ça. Putain. Non, moi, je préfère m'en aller ici si on parle comme ça. Billy, attends, je me suis emporté, désolé. On va la voir, ce dragon, parce qu'on est tous ensemble. Et c'est toi qui vas me passer mon javelot. Ah, mais c'est moi qui le tailleur. Tommy. Ok, ça me dérange pas, Billy, c'est cool. Voilà, merci. C'est ça l'esprit, les gars. Allez, rapprochez-vous, on fait un hug, là. Si t'as un dragon, tape dans tes mains. Ouah, ouah. Hey, c'est qui a donné le javelot? C'est mon pilot. Mais c'est moi, c'est moi. Hey, tu suis Khaleesi, je me touche le nichon. Oh, tu descends, c'est mon dragon. Et du coup, c'est quoi le plan pour la bataille finale? Devinette, qui c'est qui gagne entre un dragon
Et un gamin handicapé. Oh bah non, t'es forcé la gueule. Je suis un homme très pieux et un honnête père de famille. J'ai toujours agi pour le bien de mes enfants dans le respect des saintes écritures. Oui, enfin, on a quand même retrouvé toute votre petite famille coulée dans du béton sous votre terrasse, hein. Ce n'est pas moi, madame, il faut me croire. C'est la hache. Ah bon? La petite Laura ne voulait pas manger sa soupe. La hache a dit « punis-la ». Alors je lui ai mis une correction appropriée. Et votre femme? J'ai dû la punir aussi, dans le respect des saintes écritures. Et vous n'avez jamais pensé à consulter? Cette femme est une impie. Elle cherche à corrompre ton âme. Que dois-je faire d'elle, ô glaive de notre puissant seigneur? Punis-la! Punis-la! Non, non, mais attendez, moi je disais ça comme ça, hein! Et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel, car je frapperai les eaux du fleuve impie de la verge du... C'est elle, la voilà. De qui vous parlez, là? Il ne vous sera fait aucun mal. Le plan qui va se dérouler sous vos yeux est parfaitement millimétré. D'accord. Limoges, ouverture du panneau de l'imprimante. Oui, professeur. Saint-Trope, alignement des guides. Compris. Guingamp, chargement du papier. Reçu. Ouverture du scanner. Doucement. Vous êtes prêts? À mon signal, 3, 2, 1, maintenant! Il est parfait. On envoie le verso. Non, 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 elle est de travers. Annule la copie. Non, 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 ne tire pas, ne tire pas. Ah, ah merde, oh, non. Mais qu'est-ce qui se passe, professeur? C'est un bourrage papier. Ah non, mais là, elle est complètement foutue, hein. Ok, on passe au plan B. Qui c'est qui a le bleu? Il est où, le bleu? Bien, Limoges, très bien, le rouge. Ah putain, mais tu fais ça super bien. Moi, j'y étais avec mon pouce comme ça. Putain, comment t'as... Tu débordes, là! Putain, ma gomme est cassée, on a quoi. On beaucoup de temps, là, le temps presse, allez, attends, vite! C'est quoi, je vais faire un billet de 10 000, ça ira plus vite. Non, non, mais arrête, mais non! Aïe, je me suis coupé! Qu'est-ce que vous foutez? Ça trempe, Limoges! Dis donc, ton pantalon! Je vais tourner de l'œil, là, je... Putain, ça fait 20 ans que je monte ce truc! Rendez-nous le papier, vous êtes sur l'œil! Allez vous faire enculer! Marie-Joseph! Putain, mon plan était parfait. Guingamp, réveille-toi! En avant, Guingamp! Alors là, je vois pas comment ça pourrait être pire. Hein. Una mattina, me son svegliato. Obera ciao, obera ciao, obera ciao, ciao, ciao. Oula, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? J'ai le cancer, mais je n'ai pas d'argent pour payer les traitements. Mais comment on va faire, Walter? C'est très simple. On va devenir des barons de la drogue. En route, Marcel! Alors là, je suis à Porte de la Chapelle. Il y a une très grosse demande. Mais dis-moi, Walter, comment on fait de la mette? Alors, c'est une très bonne question, Jessie. Explication. En mélangeant de la pseudoéphédrine, du phosphore, de l'iode et du lithium, cela va former une nouvelle molécule, la méthamphétamine. Ça n'a plus rien à voir avec le cancer, ça. Bah, Walter, j'ai commencé à vendre de la meth, mais dis donc, il y a beaucoup de concurrence. D'ailleurs, j'en ai tué un, regarde. Mais comment je fais pour me débarrasser du corps? C'est facile, il te faut de l'acide fluorhydrique. Je sais pas si j'ai envie de savoir ça, moi. L'acide fluorhydrique concentré agit comme un produit oxydant qui va détruire les matières organiques. Regarde, cela dissout même les os, un petit peu comme une aspirine. Mais attention toutefois à la nature du contenant. Aïe aïe aïe! Walter, c'est la catastrophe! Mais quel maladroit! Mais maintenant qu'on a fait disparaître le corps, comment on fait pour passer un message à nos concurrents? J'espère que tu as gardé la tête. Oui, bien sûr! Et voilà! Mais Walter, elle va jamais trouver son chemin dans le désert! Détrompe-toi, Jessie! La tortue est un animal très intelligent. Oh là là, les amis, c'est déjà l'heure de se quitter. On vous dit à la semaine prochaine où on vous apprendra à trouver un bon avocat. J'espère qu'il ne nous racontera pas de salade. Allez, chauffe Marcel.